Bonjour et bienvenue à l'émission Le goût de la Mauricie. C'est un concours culinaire qui est basé sur notre patrimoine. Donc, je vais avoir besoin d'aide pour animer cette émission et je vais faire appel à mon amie qui provient des années 1940, Madame Huguette Bongo. Bonjour, Chef Justine. Merci de l'invitation. Bien, merci à toi. C'est un beau voyage des années 40. Oui, un petit voyage dans le temps. Du côté de nos compétiteurs, eux, ce sera un voyage à travers les recettes historiques. Ils devront passer à travers des quarts, puis des demi-finales, et ce, en s'opposant catégorie par catégorie. Nous aurons des organismes communautaires, nous aurons des équipes sportives, des établissements, des artisans et même des familles. Les duellistes gagnants dans chacune de ces catégories se retrouveront ensuite pour la grande finale lors d'un événement spécial au mois de juin prochain et c'est vous, public, qui allez voter. Avec toutes ces belles recettes, nous aurons tôt fait de faire quelque chose de bon avec ça. Bien, certainement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calendrier. Donc, vous allez avoir toutes les recettes cet été lorsque nous allons le lancer ici même au marché. Je vous présente maintenant nos équipes du jour. Felipe et Ronaldo représentent la Ligue de soccer Les Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel, dont la mission est de former les enfants et les adolescents au soccer, ainsi que d'amener ces équipes seniors à atteindre les plus hauts niveaux au Québec. Avec leur esprit d'équipe et leur sens de la compétition, gageons que nos représentants des Chevaliers seront efficaces en cuisine! Représentant la firme récréative Casa, Émile 8 ans et son père Jason, copropriétaire de l'entreprise, ont l'habitude de travailler de leurs mains. Entre les élevages de chiens, de chèvres, d'alpagas et de lapins, la petite famille est à mettre en place une forêt de comestibles. Voyons voir les surprises que nos deux gourmands nous réservent. Accueillons maintenant l'équipe des jaunes. Ronaldo? Felipe, bonne chance. Maintenant, accueillons l'équipe des rouges. Émile, Jason, bonne chance. Maintenant, allons voir nos juges. Merci, Chef Justine. Alors, les concurrents, leurs plats, en fait, seront évalués selon le goût, les arômes, la présentation, l'innovation apportée à la recette, mais également, il y aura quelques points d'accordé du côté de la sécurité et de l'hygiène en cuisine. Ceux qui auront la lourde tâche de sélectionner notre équipe gagnante aujourd'hui, je les ai avec moi, c'est nos trois juges. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Madame Champagne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous amenez aujourd'hui l'ingrédient vedette. Quel est-il? Oui, j'ai amené un riz cale rose. C'est le riz qu'on utilise au comptoir de sushi. C'est un riz très collant, comme il contient beaucoup d'amidon. Parfait. Oui, parce que vous êtes une experte en sushi chez Kokomi Sushi au marché public de Shawinigan. Merci beaucoup. Je passe du côté de Michel Buisson. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'administration marché public de Shawinigan et vous êtes là pour apporter, en fait, le prix du jour. Quel sera-t-il? Oui, le gagnant, ça mériterait, aurait le choix entre soit 250 $ de certificat cadeau pour le marché ou 4 espaces de location dans le mini-marché. Parfait. Merci. Moi, je sais déjà ce que mon estomac choisirait à ce sujet. Je termine avec le dernier, mais non le moindre, André Schott, chocolatier de profession. D'ailleurs, vous êtes propriétaire chez André Schott Chocolatier, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça me fait plaisir. Dites-moi donc, qu'est-ce que vous allez regarder en premier quand les participants vont embarquer sur scène? Ah, nous allons regarder de la manière qu'ils vont travailler avec les équipements ici pour réaliser cette fameuse recette qui doit être livrée dans un délai raisonnable pour arriver à temps à nous proposer, à nous servir un produit qui est parfaitement fini. Alors, ils vont devoir surveiller le temps. Beaucoup. Oui, parce que c'est... D'après la recette, ça va être un peu du sport de réaliser ça dans le temps requis. Parfait. Bien, ce n'est pas une compétition pour rien. Hein? Il faut quand même qu'on mette un peu de pression. De notre côté, pour préparer les participants, nous allons aller en cuisine rejoindre Chef Justine pour une classe des maîtres sur la recette du jour, le pudding au riz. Bienvenue à la classe des maîtres. Aujourd'hui, ce n'est pas moi le maître, mais c'est bien... comment elle s'appelle? Révérende Mère Coron, OK, qui est alors supérieure générale des Sœurs de la Charité de la Providence en 1878, quand même. Hein? Et puis, ben, elle avait écrit ce livre-là pour aider à former ses de bonnes cuisinières.
puis j'imagine qu'il mangeait des petits coups de règle ou de cuillère. Alors, on va faire le pudding au riz aujourd'hui. Bon, si nous lisons cette belle recette, ça dit « Prenez une tasse de riz bouilli ». Bon, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'une tasse de riz bouilli, une tasse de riz bouilli, c'est simplement du riz qu'on fait bouillir. On fait, hein? Dans de l'eau, comme si on faisait cuire des pâtes. Ensuite de ça, ils nous disent de prendre deux tasses de lait. Donc là, on imagine que, bon. Et puis, on ajoute trois jaunes d'œufs. Et là, ils nous disent de faire cuire ça une demi-heure. La question, c'est où? Mais bon, on va essayer d'en déduire. Bon, on dit la tasse de riz bouilli, la tasse de riz bouilli, les deux tasses de lait. Hein? Et les trois jaunes. OK? Bon, là-dedans, il n'y a pas de sucre du tout. Hein? C'est juste comme ça. On fait ça de même. Et là, on va mélanger, j'imagine. Ils ne nous le disent pas, mais on va essayer d'être une bonne cuisinière. Sinon, on va manger une tape de cuillère sur les doigts. Parce que moi, personnellement, je serais tentée de le mettre sur le poêle. Mais si on lit la recette, ça dit « Prenez ensuite trois blancs d'œufs bien battus avec une tasse de sucre blanc, un peu d'essence d'estrompe. Étendez ce blanc sur votre pudding que vous remettez au fourneau. » L'espace de 5 minutes. Fait que ça me donne un indice que ça devait être au fourneau avant. Fait qu'on va le laisser au fourneau. On verra bien ce que ça va donner. Alors, on a bien mélangé nos affaires. On va mettre ça au fourneau une demi-heure, puis on verra bien ce que ça va donner. OK, notre pudding au riz est au four et ils nous ont dit de le laisser une demi-heure. Hein? Mais je leur ai joué un petit tour parce qu'après une demi-heure, ça ne ressemblait pas à du pudding. Fait que je l'ai laissé plus longtemps. Ça fait à peu près une heure qu'il est là. Mais là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ah, pas tout à fait. Bon, bien, mettons que ça ressemble à quelque chose. Peut-être que la technique, c'était sur le poêle, finalement. C'était pas très clair. Ça sent pas très non plus le pudding au riz. Ça sent le riz. Mais bon, on va y aller avec ça. L'étape numéro 2 qu'ils nous disaient de faire, ils nous ont dit de prendre trois blancs d'œufs bien battus avec une tasse de sucre blanc. Ça, encore là, c'est pas très clair, hein, parce que une tasse, pas une tasse, mais des œufs bien battus, ça veut-tu dire monter en neige? Ça veut-tu dire en meringue? Ça veut-tu dire juste battu? Ça veut dire quoi? Bon, fait que là, il faut y aller avec notre bon jugement. Moi, si j'avais lu ça à la maison, je l'aurais probablement monté dans un mélangeur comme une meringue. Mais bon, là, on est en 1878, ça n'existe pas, fait qu'on va y aller à bras avec bien du sucre. Il est là, le sucre. Ils disent... une tasse de sucre glace. Alors, on va battre le tout bien battu, bien battu. Un peu d'essence de citron qu'on va rajouter là-dessus. Bien, ça semble être bien battu, là, pour une sœur révérende, mère de... OK, fait que ça, on va mettre ça par-dessus. Hey my God! C'est vrai, j'ai pas très confiance en cette recette. Et là, ils nous disent de l'étendre. Et de le remettre au four l'espace de 5 minutes. C'était chaud. Oh, voilà. Voilà le résultat. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça dit pour vrai. Ça fait un peu l'effet meringué. Oh là, quand même, hein? Je suis étonnée. Ça fait un peu comme une crème pâtissière ou une crème anglaise. Pas sucrée. Je sais pas trop ce que ça va dire, ça, là. Oh! Ben, c'est pas mauvais. Étonnée. Agréablement surprise. Même wow! Étrangement, le riz est sucré. Bon, je sais pas quelle réaction chimique que ça fait, mais ça fait vraiment sucré. Alors, c'est à votre tour maintenant. Espérons que nos compétiteurs sont prêts à casser du sucre sur le dos de leur adversaire, car ils devront préparer deux portions de pudding au riz, et ce, à l'intérieur de 40 minutes, tout en utilisant l'ingrédient obligatoire, le riz provenant de chez Kokomi Sushi. Duelliste, prêt? À vos couteaux!
Donc ici, là, comme ingrédients, ce qu'on a, on a le riz, effectivement. On a ensuite, j'ai mis plusieurs sortes de lait là, pour nos compétiteurs. Donc, on a du lait de coco, du lait de vache, évidemment. On a du lait d'amande, de la crème. Je leur ai mis aussi du sucre, mais ils ont aussi du sirop d'érable. Ensuite de ça, il y a tout un assortiment là, de fruits et de fruits séchés, des herbes fraîches, donc du romarin, de l'amande, du thym. Ils ont des graines de pavot, ils ont de la cardamome, du cumin, de la cannelle. Et il faut savoir les reconnaître hein, parce qu'elles ne sont pas identifiées. Ensuite de ça, on a aussi les graines de citrouille, on a de la pécane, on a aussi des dattes, des raisins, des fruits frais. Donc, de la mangue, orange, pomme verte et avocat. J'ai pris quand même les ingrédients qu'on retrouve chez Kokomi Sushi. Et puis, les œufs. Donc, je laisse les concurrents s'amuser avec ça pour qu'ils nous fassent le meilleur poutine au riz ever qu'on n'a jamais goûté. Tout est sous contrôle? Ouais. Oui. Puis de votre côté, les rouges, tout est sous contrôle? Bon, c'est bon. Donc, je vous laisse nous concocter quelque chose d'excellent. Voyons voir qu'est-ce que nos équipes nous concoctent. Du côté des chevaliers, on prend du lait de vache. Alors, plus traditionnel. Et du côté des rouges, on prend du lait de coco. Donc, ça va nous sortir de la recette de 1878. Et un fait à noter aussi, c'est que les ingrédients qui sont sur la table, et toutes les émissions vont être construites comme ça, c'est que les ingrédients sur la table, c'est les ingrédients de la compétition. Donc, si une équipe prend un ingrédient, ben, si l'autre équipe en veut, il devra faire un vol ou devra s'en passer. Et ça, c'est toutes les compétitions qui vont être comme ça. Donc, on mélange, on mesure le riz. Question d'avoir une belle densité. On mélange du côté des rouges. Donc, ce qu'il faut faire attention dans cette recette, c'est la cuisson du riz, puisque c'est très facile d'avoir un riz croquant. Nos équipes ont beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, on s'attend à quelque chose d'excellent. Excusez-moi, C'est une recette aussi qui est facilement collable au fond. Hein? Au fond de la casserole, quand on dit soupe au lait ou d'où vient l'expression, c'est que le lait colle au fond, ça brûle et c'est fini. La recette, on doit la recommencer. Donc, avec une recette comme celle-là, on doit faire attention là, de ne pas la brûler. C'est une équipe très disciplinée. Très bien organisée du côté des jaunes. Ils ajoutent du lait de coco aussi. Mais le lait, c'est normal à cause des protéines. Non, je sais, mais je me demandais quel lait qu'ils avaient pris. Ils ont pris du lait de vache. Comment ça se passe ici? Alors, c'est quoi votre idée? Ah ben, j'ai décidé de faire le riz, moitié-moitié avec de l'eau et puis... Du lait de coco? Du lait de coco. OK. Donc, ça va être aromatisé à quoi, ce beau pudding? On va mettre un petit peu de tous les ingrédients qu'on a. On va rajouter aussi probablement des raisins secs. Le sirop d'érable, qui est un ingrédient immanquable, je dirais. À la recette. Par contre, à la toute fin. D'accord. Donc, je vous laisse faire. Je vous dérange pas plus. Et puis, pour vous ici, comment ça s'enligne? Oui, ça va très bien. Très oui? Bien. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous nous concoctez? Bon, les riz qu'on essaie de faire, on fait juste les riz là. Puis après, on va ajouter du lait, puis crème de lait aussi, un peu de vanille, un peu de lait coco. OK. Donc, on y va un petit peu plus comme classique, mais avec... C'est le classique, exactement. Avec le lait de coco et la crème. Et à la fin, on aura un petit différentiel. Bon, ben c'est bon. Donc, je vous laisse travailler. Merci. On a hâte de goûter à ça. On va croiser les deux œufs. Oui, c'est passé. Diable, ici, on peut faire ça. Le soupe. Crème de lait. Crème de lait. Diable. OK, c'est bon. Oh, Émile, c'est pas la première fois qu'il casse un œuf.
Il faut bien mélanger. Encore là, il mesure. Il est très sérieux en cuisine, c'est Émile. Il nous a appris qu'il voulait être chef. Bel avenir. Mais il faut qu'il le mette. Des pacanes, des noix de grenache. Ça, c'est des pacanes. Okay. Ça ressemble à des pacanes. Un petit croustillant dans le riz. Ça va être bon. Non, pas trop. C'est encore dur, hein? Peut-être que la première... Ben, l'équipe des gens a peut-être eu peur de se faire voler les ingrédients. On prend les ingrédients tout de suite en partant. Wow, ça va être bon, ça! Donnez un petit croquant à la recette. Ah oui, donc là, vous créez en cours de route, là, si je comprends bien. Ah ben oui, on essaie d'utiliser le maximum de ce qu'il y a. Ce qu'il y a sur la table. Exactement. OK. Wow, j'ai hâte de goûter à ça. Et puis pour vous, comment ça se passe? Très bien, on très bien. On attend les riz. On attend que le riz. Et après, ça va être plus facile, ça va être plus rapide avec les ingrédients. Là, il est bien cuit? Ça non, va? Pas encore. Pas encore? On en attend encore un peu. Ouais. Oh, là, il vous reste 22 minutes. Wow. Donc, la moitié du temps quasiment est passé. Ouais. Tout est sous contrôle. Ouais. C'est bon. Donc, on va aller maintenant à la chronique livre avec Mme Bongo qui va nous expliquer un petit peu l'origine de ce livre dont la recette est inspirée. Alors, la recette de pudding au riz aujourd'hui est tirée d'un livre qui date de l'époque de la deuxième moitié du 19e siècle. Époque où on n'avait pas de quatrième de couverture sur les ouvrages culinaires ou autres, ce qui nous donnait des titres tels que celui-ci, Direction diverse, donné en 1878 par la révérende Mère Caron, alors supérieure générale des Sœurs de la Charité de la Providence, pour aider ses sœurs à former de bonnes cuisinières. Donc, autant le titre est long, autant à l'intérieur, les recettes sont parfois tronquées de certains faits, comme par exemple la liste d'ingrédients ou encore les quantités, le type de coupe aussi qu'on va avoir sur les aliments. Pour quelle raison? Parce qu'on sait que l'information se transmet de mère en fille. Sinon, le livre dont est tirée la recette d'aujourd'hui est également le premier qui est étiqueté de canadianisé, c'est-à-dire qu'on a choisi des denrées, des ingrédients qui sont plus faciles à trouver du côté canadien que ce qu'on trouvait dans les livres européens. Oh, on est rendu à l'étape de la toute fin, de la touche finale, de la crème du côté des jaunes, les fruits et les noix du côté des rouges. Vous savez, moi, cette recette-là, là, c'est une recette qui me donne beaucoup de misère. Ça, puis le jello. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est supposé d'être simple, mais c'est les deux recettes que j'ai le plus de difficultés à accomplir. Alors, on finit dans 11 minutes. Qui l'aurait cru? On va mettre la poudre. Oh! Le sucre. Tu frottes un peu ça? Oui. Je suis très curieuse de connaître le résultat de tout ça. Papa, je vais mettre un peu de sirop. Attends une minute. On va leur mettre ça. C'est plus difficile de savoir si on commence à sentir la pression. On va mettre ça à... Ça achève. On voit ce qu'il monte avec la caméra. Sur la scène s'il est fermé, c'est trop. On va le mettre au fond. Moins de 10 minutes. Mais il y a encore pas. C'est frais séché. Je vais trop rentrer dans le ce genre de recette-là, c'est toujours très, très bon quand c'est fait traditionnellement. Mais toujours excellent quand les gens innovent. Ah, OK. Soit c'est difficile d'innover avec des recettes qu'on connaît, là, puis c'est comme le fameux pâté chinois. Là, on reste dans nos classiques. On aime ça comme ça. Hein. Ça sent bon dans le temps pour l'équipe des roues. On va le mettre dans le four. Ben, c'est pas ça, c'est... Oh là là! Ça mélange des deux côtés. On n'aura pas du riz collé au four. C'est quoi? C'est pas pour aujourd'hui, la soupe au lait. Concurrent, moins de 5 minutes. Ça commence à
Les deux équipes avaient amplement le temps de bien cuire leur riz. J'ai hâte de voir ce que les juges vont en faire. Trois feuilles de menthe. Non, mais ça, ça vaut. Mais c'est pas grave. Ok, maintenant tu vas. De la menthe en décoration. J'aurais aimé en voir à l'intérieur. Donner un petit goût plus marocain. Mets-toi pas sur le poisson. J'aurais probablement tourné ça un peu plus, là, justement, là, au goût de la Méditerranée, avec des épices, des herbes, beaucoup de fruits séchés, beaucoup de fruits de noix. Et pour ajouter un peu de fraîcheur, là, les bleuets, c'est une très bonne idée. Mais il y a autant de façons de créer un plat qu'il y a de gens. Un plat, c'est une interprétation. Là. C'est comme une chanson. Donc, tout le monde a une façon particulière de faire quelque chose. Et là, en équipe comme ça, là, c'est le fun aussi de les voir aller parce que on voit qui est le leader. On voit qui prend le plus de place et qui s'impose un petit peu plus. Oh, il nous reste que 30 secondes à faire. Ouh là 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 là. La pression est ressentie, hein? La finesse du côté des rouges est un petit peu moins présente. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, terminé! C'est terminé! Wow! Wow, wow, wow! Alors, débutons avec vous. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Vas-y, Orlando. En fait, nous, on s'est plus focalisé sur pudding de riz, on appelle ça comme à l'ancienne. OK. Et puis, comme on a essayé d'ajouter un peu d'ajout, on a fait des ajouts. Comme des raisins, puis des œufs, un peu plus pour un peu varier le goût et puis tout. Okay, ça s'est bien passé de votre côté? Oui, vraiment bien passé. Oui. Vous êtes content? Oui, c'est bien, c'est bien. Le temps un peu nous stresse, mais ça a bien été. Ben, c'est bon. Et puis pour vous, de votre côté, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Ben nous, on a utilisé un petit peu le maximum des ingrédients qu'on avait. Ajouter beaucoup de plaisir à cuisiner, puis ne pas se limiter dans... On n'avait pas à se limiter, fait qu'on ne s'est pas limité dans le choix des saveurs. Wow! Donc, on va laisser les juges maintenant goûter à ce que vous nous avez préparé. Et entre-temps, on va rejoindre Michel Buisson. Je suis maintenant en présence de Michel Buisson du marché public de Shawinigan. Bonjour, Michel. Bonjour. Parle-nous un peu de la vocation du marché. Bien, depuis le tout début, c'est-à-dire vers les années 1902, le marché était en bas de la ville. Sa vocation principale, c'était de promouvoir l'agriculture locale, c'est-à-dire les marchands allaient vendre leurs produits au marché. Aujourd'hui, bien, depuis 1965, le mandat reste le même, mais plus large, c'est-à-dire qu'il couvre toute la Mauricie. OK. Puis la transformation agroalimentaire aussi, j'imagine. Oui. Depuis ces années-là, la transformation est devenue importante pour le marché, et ça fait partie du mandat du marché. Donc, de soutenir toute l'agroalimentaire de la Mauricie. Exact. Ainsi que sa communauté aussi, oui, j'imagine. Le marché s'implique beaucoup dans la communauté par des émissions comme celle-ci et d'autres événements. Bien, merci beaucoup, Michel. Ça m'a fait plaisir. Nous sommes de retour avec les juges pour avoir leur opinion. Première impression, M. Schott, sur les présentations? Ah bien, les deux présentations sont assez réussies, avec un peu peut-être plus standard dans celui-là. Mm-hmm. Alors qu'ici, on voit que les produits sont... Il manque un peu de finesse de la présentation. D'accord. Sinon, en règle générale... On donnerait un petit plus pour eux, pour la qualité et la régularité des produits. Parfait. Par contre, évidemment... Maintenant, il faut le goûter. Voilà, ça ne se fait pas que sur la présentation. Ben vous avez bien raison. Alors, on va vous laisser goûter les plats. Allez-y, mes chers, servez-vous. Merci.
Merci à nos commanditaires IGA Extra Famille Barry pour les ingrédients non présents au marché, Meubles Jacob pour les électroménagers, Terre à miel pour les assiettes et le costumier de Chavigny pour qui habille fièrement Madame Huguette Bongou. Alors, Madame, Messieurs, vos commentaires sur chacun des plats, en commençant peut-être par l'équipe des jaunes. Bien, l'équipe des jaunes, je pense qu'on a une très belle présentation, une très belle cuisson, un produit qui est comme un petit peu, en refroidissant, on voit qu'il devient plus compact qu'un pudding au riz. On essaye l'autre. Le fait d'ajouter des fruits dedans qui amène une certaine acidité quand on le mange, l'épice, la cannelle qui a été mise dedans, je pense, à la cuisson, on obtient un produit qui est comme un peu plus facile à manger, moins riz et sucre, si on peut dire. Les jus et le sirop qui a été rajouté par-dessus aident à donner un peu plus d'humidité au pudding au riz. Donc, on a d'un côté une très belle présentation. Oui. Voilà, de l'autre côté, le petit ajout du fruit qui vient peut-être changer la donne. C'est le moment du verdict tant attendu par nos participants. Alors, M. Schott, je vous laisse l'honneur de nous dire qui des chevaliers ou de l'équipe de la ferme récréative CASA, donc qui des rouges ou des jaunes ont gagné. Donc, c'est les rouges qui ont gagné cette épreuve, si on peut dire. Alors, félicitations à l'équipe des rouges! Bien, merci beaucoup à tous nos concurrents. Merci, Rinaldo et Philippe, d'avoir été avec nous. Merci. Et félicitations, Émile! Bravo! Félicitations à Jason d'avoir été là et d'avoir gagné. Et puis là, on va vous remettre votre prix d'aujourd'hui, qui est un certificat cadeau de 250 du marché public de Shawinigan. Et on vous retrouve pour la demi-finale. Donc, c'est génial. On a hâte de vous retrouver. Nous aussi. Bien, merci. Alors, duelliste, membre du jury, chef Justine et vous, téléspectateurs, merci d'avoir été présents. Merci également à notre partenaire principal, l'équipe de Nous TV, Mauricie. Rendez-vous, même heure, même poste, la semaine prochaine pour un autre duel dans la cuisine du marché public de Shawinigan. Et en attendant, consultez notre page Facebook ou notre site Internet pour avoir plus de détails sur la grande finale. À la semaine prochaine! Fier de faire rayonner notre communauté.